L'approche des îles du Cap-Vert a généré hier des stratégies différentes. L'archipel propose les mêmes problématiques que les îles Canaries avec ses hauts reliefs. Surtout, il constitue la dernière étape avant le poteau noir et les bateaux ont commencé à se positionner pour le franchir au mieux. Hugo Boss a donc ainsi mis le cap à l'ouest, quand Gaès, Neutrogena et Cheminée Pujula, qui restent au contact, ont traversé par l'intérieur des îles, bénéficiant d'alizés de nord-est toujours vigoureux. Dans la nuit, ils se sont ainsi retrouvés distants, 250 milles en latéral. Les classements en ont été chamboulés. Un peu plus à l'arrière, Renault Capture, qui a connu un problème de safran dans la nuit, franchira à son tour le Cap Vert aujourd'hui. We Are Water rattrape doucement mais sûrement son retard sur One Planet, One Ocean and Pharmaton. Quant à Spirit of Hungary, il est le dernier bateau à avoir passé la nuit dernière les îles Canaries. Les écarts restent peu importants entre les 5 premiers de la flotte. Entre ceux positionnés est, plus proche de la route directe, comme Cheminée Pujula, Neutrogena et derrière Renault Capture, et ceux positionnés ouest, comme Hugo Boss et Gaès, ils se tiennent en 75 000. Autant dire une goutte d'eau dans l'océan. Hugo Boss se montre toujours le plus rapide, il a été flashé à 21 nœuds la nuit dernière, mais il n'est pas sur le bon cap. À noter à l'arrière, Spirit of Hungary est revenu dans le match et We Are Water a comblé de quelques 70 000 son retard sur One Planet, One Ocean. Bonjour à tous pour ce 9e jour de course sur la Barcelona World Race. Un aperçu de la flotte, de ce qui s'est passé aussi ces dernières 24 heures. Donc les bateaux ont été dans un vent d'alizé de nord-est assez soutenu, entre 25 à 30 nœuds. Ce qui fait que les bateaux ont bien descendu vers le sud et ont pu passer, les premiers bateaux ont pu passer le Cap Vert sans aucun souci. En ce qui concerne le nord de la flotte, pour la journée d'aujourd'hui, ils vont avoir entre 20 à 25 nœuds de vent de nord-est. Donc ils vont pouvoir se rapprocher du Cap Vert en se posant la question ouest ou est. En ce qui concerne par contre les bateaux de tête qui ont déjà passé le Cap Vert, la question est un peu plus compliquée parce qu'elle ne concerne pas tant la suite directe, mais plutôt le passage du poteau noir et après comment ils vont pouvoir passer l'anticyclone de Sainte-Hélène. La situation des bateaux aux alentours de 19h ce soir, les bateaux vont pouvoir descendre et seront aux alentours du 10e degré nord, juste à l'entrée du poteau noir. Et donc la question va se poser, est-ce que je vais plus à l'ouest, aux alentours de 30 degrés ouest par ici, où le poteau noir est un peu plus réduit, où il y a un peu plus de vent, mais ça m'oblige à faire plus de route. Ou est-ce que je trace un peu plus et je coupe un peu plus le fromage avec un peu moins de vent et un poteau noir qui peut être un peu plus large. La situation demain matin, sur la slide qui suit, voilà. Demain matin, normalement, aux alentours de 9h, 10h, enfin bref, demain matin, ils seront vraiment juste à l'entrée du poteau noir. Ils auront encore 10-15 nœuds de vent pendant cette nuit. Et après, ils vont arriver dans cette zone où le vent est vraiment très faible, d'est, avec un secteur est, sud-est. Par contre, ce qui est assez positif et une situation qui est remarquable, c'est qu'a priori, il n'y a pas de grande zone de calme dans ce poteau noir pour l'édition 2014. Donc, dépêchez-vous de passer, dépêchez-vous d'arriver les autres. Et normalement, on attend tout le monde, on attend les premiers bateaux dimanche soir au niveau de l'équateur. Le passage archipel, on a eu un petit souci cette nuit. Il y a un safran qui s'est relevé, un safran sous l'eau. Changé de car, donc on était à l'entrée à l'intérieur du bateau en train de discuter et on s'est fait une belle frayeur quand même, parce que quand ça vous arrive et qu'on marche à, on marchait en gros toute la nuit entre 18 et 22, donc on a perdu un peu de temps, le temps de rouler le petit Genac et tout ça, et puis de trouver une solution pour remettre le safran en route. Non, ça va, on a quand même des soucis de safran assez régulièrement, ce qui peut poser problème. Et sinon, on a des petits bugs d'électronique ou d'informatique, mais rien de grave. Non, le bateau est en bon état, on fait attention de bien l'utiliser. Bah, écoute, depuis deux jours, là, on a pas mal cravaché, donc on s'est rapproché un petit peu
ce matin, après 50 000, mais bon, il y a une histoire de classement importante. Ils sont sous but, c'est pas facile. On lâche rien, on est dessus, on est sur les réglages et sur la météo. On va essayer de se rapprocher d'une façon ou d'une autre vers le couteau noir. Mais sans prendre de risques à considérer et puis grappiller petit à petit. Mais on arrive à se faire des siestes de 2 heures, des quarts de 2 heures. Et de toute façon, on change toutes les heures et demie ou 2 heures. Après les villes, là, il y aura des plus longs bords, ça va être plus facile de se reposer. À bord de Renault Capture, on a connu une belle frayeur dans la nuit. À l'approche de l'archipel du Cap Vert qu'ils devraient franchir aujourd'hui, Jörg Richers et Sébastien Andigan ont eu la mauvaise surprise de voir un de leurs safrans se relever. Aux vitesses à laquelle ont pu dévaler hier les premiers bateaux de la flotte, aux alentours de 20 nœuds, on imagine effectivement la frayeur des deux marins. Si c'est le premier tour du monde de Jörg Richers, il n'en est pas de même pour Sébastien Andigan. Et ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Le Français est l'un des plus aguerris tour du mondiste. Il a su réagir avec son coéquipier, y laissant, certes, quelques sueurs. Joint ce matin, il reconnaissait néanmoins que ce n'est pas le seul souci de safran rencontré depuis le départ, et il est vrai que cela pourrait s'avérer problématique sur le long terme. Rappelons que les deux skippers ont dû changer de monture l'an passé. Le bateau qu'ils avaient optimisé n'est autre que le cheminée Poujoula de Bernard Stamm et de Jean Le Cam. Eux ont dû préparer leur plan finoconque en un temps réduit, et ils le découvrent au fur et à mesure de la course. Malgré cela, les voilà revenus dans le match aux premières places. Certes, leur classement depuis hier peut être trompeur, mais ils parviennent néanmoins, au prix d'un sommeil réduit, à combler progressivement l'écart qui les sépare des leaders. Et ils comptent bien sur le poteau noir pour favoriser leur ambition. Du coup, nous, on est à l'arrière de la flotte parce qu'on a perdu des milles en Méditerranée, parce qu'on a resté encalaminé. Et bon, on a décidé d'aller à l'ouest. On a passé les Canaries par le nord, malgré qu'il y avait un alizé assez mou. Et comme ça, on va affronter les Cabo-Verde et aussi les Poteaux Noirs en arrivant par l'ouest, ce qui représente pour nous un petit avantage. Et au niveau du passage de Cap-Vert, bien évidemment, pour moi, ça va être un mauvais souvenir, mais en même temps, une grosse expérience parce que Jean, il a passé déjà. Moi, j'espère passer aussi. Et pourtant, ça va être 2 sur 2. Ça va être un petit succès. Depuis le départ de Barcelone, les frères Bruno et Willy Garcia ne cessent de le répéter. Le cardiologue et le joaillier de profession restent des amateurs éclairés de la voile. Peut-être. Mais en ce début de course, We Are Water, qui n'est autre que l'ancien Pape Breck Birbach, vainqueur de la course en 2007, réalise plutôt un beau parcours. Bruno Garcia le rappelait ce matin en vacances. Ils sont restés longtemps encalminés en Méditerranée. Et depuis, ils font leur propre route, très au large, mais plutôt avec bonheur, pour l'instant. Ils reviennent progressivement sur One Planet, One Ocean and Pharmaton et doivent approcher le Cap Vert demain. C'est une zone emblématique pour Bruno Garcia. Il a 4 ans, c'est au large de ces îles qu'il avait été contraint d'abandonner la Barcelona World Race sur dématage. C'était sa première participation avec Jean Le Cam, devenu depuis un ami, et un fidèle conseiller en matière d'IMOCA 60. Et comme il est difficile de retirer à Bruno Garcia le bonheur de vivre sa passion, il garde cet événement plutôt une belle stimulation à persévérer. Les frères espagnols, formés à l'école de la Mini, comptent également sur le poteau noir pour se rapprocher des premiers bateaux. Leur positionnement à l'ouest est assumé, et il est l'une des éternelles alternatives stratégiques pour franchir au plus vite cette zone délicate. Les coureurs de la Barcelona World Race ont été accueillis à l'hôpital Quirón Teknon de Barcelone pour y suivre une formation médicale spéciale avant leur départ sur la course. Une formation essentielle pour parer à tout incident qui pourrait survenir en mer. My worst experience was losing my Coast Guard. So he fell overboard and it took me 35 minutes for me to find him and get him back on board. We had very strong conditions and I almost lost him for real. Yo la pasada Barcelona World Race, 2 semanas antes del Cabo de Hornos, me rompí los dos meniscos en una rodilla. Vine con una pierna cojeando las últimas 6 semanas. Después me he roto costillas, me he roto dedos, me he roto brazo, me he roto muchas cosas en el barco. Es mejor no pensar en esas cosas, ¿no? Al final no puedes hacer nada, pues si toca, toca. Prevention of accidents is the most important thing in this race.
Putting after sailing is more dangerous than sailing most of the time. Durant toute la journée, les skippers ont été formés aux différents protocoles, l'utilisation du kit médical ainsi qu'aux possibles interventions à faire en cas d'accident.